Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour l'épisode 3 sur Call of Duty Modern Warfare remasterisé sur PC. Donc la dernière fois on s'était arrêté avec la mission avec Soap, Captain Price, etc. Et toute la clique, hein, on s'était emparé du bateau, etc. On avait réussi à l'infiltrer, mais on n'a pas pu récupérer le colis secret, etc. Je pense que c'était une bombe, un truc comme ça. On a juste récupéré des papiers importants. Et après voilà, on s'est fait repérer, etc. par des MIG. Et puis voilà. Donc là, je me suis renseigné, comme je vous avais dit, pour lancer l'épisode, pour le dernier épisode. Donc là, on va lancer cette mission. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc cette mission-là, le coup, donc ça fait partie du prologue. Et après, on va faire l'acte 1, de la première mission de l'acte 1. Parce qu'en fait, là, le coup, la mission qui s'appelle le coup, qui est juste ici, c'est juste une cinématique. C'est tout. Donc je peux pas me permettre de vous faire une vidéo où il y a que des cinématiques. Donc voilà, c'est tout. À part ça, voilà. Donc, en tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Nous, on va commencer. C'est parti. Donc, le coup. Le coup. Le président Al-Funali a été enlevé par des troupes dévouées à Al-Assad, visiblement à l'occasion d'un coup d'État. Super. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer? Bon, là, je me suis mis un petit peu dans le thème. Bon, vous voyez pas trop, mais là, derrière moi, il y a un fond vert. Donc normalement il y a une lumière verte, je pense que vous la voyez un tout petit peu. Et j'ai voulu éteindre ma lumière juste au-dessus, mais après on ne me voit pas, donc c'est un peu relou. Mais le vert, voilà, je me mets dans le thème du jeu, tout ce qui est vert, etc. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire ça pour toutes les pour tous les autres let's play de plein d'autres jeux que. Je pense qu'ils auraient eu chacun dans chaque jeu, il y a une couleur préférée dans le jeu. Donc là c'est le vert, comme vous pouvez le constater. Je pense que dans d'autres jeux, il y aura des couleurs préférées. Et je vais voir si je pourrais obtenir cette couleur. Avec mes LED, etc. Voilà, c'est juste pour l'ambiance, pour la caméra, pour changer un petit peu. Et c'est parti, let's go. Hop. Ça, c'est incroyable, ça. Je me demande si c'est toujours les mêmes cinématiques en 2017. Je sais pas si ça a changé. C'est la voix de Rock, ça. C'est pas fou, quand même. Enfin, les musiques, on les connaît par cœur. Oula. Allez, c'est parti. Là. Là, le chat il veut me manger, frère. Un hélicoptère il nous attend et tout. Oh. Vraiment une tête de méchant, lui. Notre grande nation verra une nouvelle ère de prospérité. Je vous laisse lire les sous-titres hein, en même temps regarder l'image. Hein. On pourra que faire ça normalement. Donc là, il y a un hélico qui passe au-dessus. Super. Donc, nous, c'est un coup d'état qu'on subit, j'imagine. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est moi, c'est bien moi. Oh là là, ils sont en train de perquisitionner, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. Allez, cours, 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 Forest, cours, Forest. Oh là là. Oh. C'est chaud de ouf. Oh! On s'est mis dans une merde, c'est ouf. Oula. Ah
L'hélicoptère, encore une fois. Là, il nous surveille l'hélicoptère de fou. Il est en train de graffer, je sais pas quoi, lui. Oula. Il faillit se faire gober par le chien, lui. Ah oui, c'est carrément caché dans la poubelle. Donc là, on va rejoindre la route. Wow. Putain de merde. Putain, mais là... Bah, pour un coup d'état, on est... Bah, c'est mort, hein, c'est fini. C'est... Vaut mieux mourir maintenant, hein, c'est... On va se péter une balle dans la tête maintenant, là. Parce que là, franchement, là, il y a... Voilà, on célèbre la victoire. Tout ça parce que je me suis fait défoncer la gueule, quoi. Oula. C'est... Bonjour. Oula, monsieur, doucement. Ouf. Ok, je suis encore transporté par deux. Ah, ça me fait penser au goulag dans Warzone et... Allez, doucement les gars. T'as dit doucement comme si ça allait faire quelque chose. Oula, il y a un méchant là. Je pense que vous le reconnaissez tous pour ceux qui ont joué au Call of Duty. Ah, il est extrêmement bien fait en plus. Putain, la version masterisée, elle est juste... parfaite. Un petit peu trop parfaite pour là. Oula. Monsieur? Monsieur? Non, non. C'est un coup d'état. C'est. Il n'y a pas besoin de. Non, non. Y a... Non, non. Il n'y a pas. Voilà. Vous imaginez quand il a passé l'arme, qu'elle avait fait l'espèce de déviation, vous imaginez, il l'a fait tomber et tout. Pff, oh là, crédibilité zéro. Franchement, les trucs comme ça. Oula. Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Fulani en direct. Ok, Al-Assad, c'est lui. Les Américains se chargent d'Al-Assad et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais en moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï, notre gars. Le gars sûr. Oula. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. Ok. Là, vous allez... De nos amis. On y va. Là, vous allez me dire, mais ça a quoi à voir avec ce que Al-Fulani, là, qu'est-ce qui se passait là? C'est vrai que moi aussi, je me disais ça au tout début quand j'avais joué à ce jeu, à ce code. Mais il faut continuer l'histoire pour comprendre. Parce que là, c'est vraiment la merde. Ouh là 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 là. Tout... Ah bah oui, après il y a le chargement là, ouais, vous voyez en bas à droite. Et le jeu, je l'ai installé sur mon NVMe. Hein. Donc pour ceux qui s'y connaissent en termes de SSD et de disque dur, c'est un peu bizarre que ça fasse ça, mais bon. Au moins c'est rapide. On n'est pas sur un. Allez, c'est parti. Let's go. Bah, j'avance trop vite là, vous avez remarqué là? C'est un peu dommage. On va suivre par derrière. Ah, il y a du contact là en face. Ok. Et les deux, let's go. On peut y aller. On va pas recharger, on va faire comme si on était... Ah, on est du contact à gauche. J'imagine qu'il y aura une animation. Go. Go. Bon boulot. Il doit vous avez eu. Garde là-haut. Damaroff et ses hommes nous attendent dans un champ... On est à la télé. Passe par là. C'est ultra bien fait, c'est fou. Petit véhicule qui passe là au-dessus. Traverse le pot. Let's go. Il y a du contact là en face là.
Ah, il y en a partout des ennemis là. Sauf, place des clés morts devant la porte et attire-les. Ok, ça marche. Et on va essayer d'avoir lui là. Ils vont sortir normalement. Oh mais wesh les gars. Ça y va, hein. Est-ce qu'il y a des renseignements ici? Non. Pas de renseignements ici. Est-ce qu'il y en a ici? Non. J'en suis sûr qu'il y a des renseignements dans cette mission. On va chercher. Pas du tout. Ah, la maison elle est plutôt bien faite, hein. Tu viens gaz, on y va. Moi je vais rester derrière eux. Où ça? Oh. Bienvenue dans la nouvelle Russie, Capitaine Price. Quelle est la cible, Kamarov? On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21. Ah, ils étaient bien cachés, hein. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien? Vous venez avec nous. Je vous suis redevable, je suppose. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Apporter un appui de sniper depuis la route. J'imagine que j'ai un sniper en secondaire. Ouais, on a M21. Ok, c'est un sniper semi-automatique, c'est pas à verrou. On va courir un peu. Ils vont passer par l'autre côté, c'est ça? Ouais. Wow. La dinguerie. Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Et moi, je dois couvrir le flanc droit, j'imagine. Il y a du monde, hein. Ah ouais. Parce qu'ils vont lancer l'attaque, j'imagine. Wow. Wow. Oh, t'es mal tiré lance-roquette. T'as l'enfoiré. Ouais. On est un. Il y a une autre mitraise là quelque part, j'imagine, non? Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Hein. Non, non, c'est bon, ouais. On peut continuer à aller sniper les... Wow. Ah ouais. Ok. On a bougé, j'imagine. Wow. Et on ouvrira le chemin jusqu'à votre informateur, Capitaine Price. Christatus. Oula, la maison là. C'est la D. Ouais, ça tire à travers la fenêtre là. À travers la maison. C'est pas trop ça là. Ok, on va mettre 5, on doit utiliser notre grenade. On va tout utiliser, hein. Vous me connaissez. On va essayer de faire un bon gameplay. Je vous ai dit, on a l'impression de jouer un film, c'est fou. Hop là, toi je t'ai eu, toi. Oula, attendez, et une grenade. Ok. Putain, elle a pas explosé en plus, hein. Oula, lui je l'ai mis en pleine tête, lui. Je crois qu'il y en a un autre, là. Je le vois pas, je le vois pas. Il est là, il est juste là. Ah, il y en a encore là. J'en ai encore combien là? J'en ai encore un seul. Je l'ai, si si. Ok, je recharge. Je t'ai eu. Capitaine Price, mes hommes rencontrent une forte résistance. Appuyez-les depuis les falaises. Il y en a encore un. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, avec les survivants. Ok, on va les protéger, ces poteaux. Là, je t'ai eu, je recharge. Il y a un blindé, là, juste là. Je t'ai mis dans la tête, toi.
Toi ici. Ok, là il y a un poteau. On va chercher encore des cibles. Une balle. Lui s'est baissé au même moment. Ouais, je peux pas l'avoir. Dans la tête. Et ouais. On a... Oh bien ouais, je leur s'enquête. Allez, toi je t'ai eu. Alors je sais pas si ça one shot ça. On a vu tout à l'heure ça one shot. Ouais, ça one shot. Hop hop, on est bien concentré là. Bien, on avance. Suivez-moi à la centrale. Ok, ça marche. On revient avec notre arme. Pas mal de camouflage sur la M21. Du coup, on va pas recharger. On va faire comme si. J'aurais dû faire ça sur les anciens. Sur le Call of Duty 2. Mais bon. T'as même cette. Ces petites usines, elle est hyper bien faite en plus. Ça change tellement. L'assaut final a déjà commencé. Ça suffit! Où est l'informateur? La maison nord-est du village! Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf gaz, on doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez! Elle a grave le seum. Ok, nous on y va. C'est parti! On descend en rappel. C'est vraiment con, lui. C'est fou ça. Lucie, ne dis pas comment tu veux qu'on fasse confiance aussi. Allez, c'est parti, j'imagine. Let's go. On lance des grenades. Ah, comme... Wow! Oui, 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 attends, je me suis mangé une balle dans la tête. Là. On va essayer d'avoir celui qui est à la fenêtre là. Wow! Ça, c'est grave bien fait. Moi dans la tête, lui. Je peux récupérer une AK-47 là, mais on va pas la prendre. C'est pas pour moi cette arme. Et on l'a eu. Il y en a encore d'autres là-bas là. Ok, lui je l'ai eu. Donc on peut y aller, hein. Vas-y, on va traverser. On va passer par là. Venez les gars ou pas? Ils sont mes poteaux. Allez, on va continuer sans eux. De toute façon, ils vont nous suivre automatiquement normalement, si je me trompe pas. Ouf. Petite lance-roquette là. C'est un poteau ça ou pas? Ouais, c'est un poteau. Y'a personne ici. Vas-y, on va rentrer dans la maison. Ok, y'a personne. Ah, une pastèque. Y'a de la pastèque. Non, personne. Oula, ça me tire par la fenêtre là. Je recharge. Je l'ai eu. Passer par là. C'est un petit peu complexe hein, de vous offrir un beau gameplay là. Il est peut-être encore en vie. Ok, go. Dans cette maison, j'imagine. Ok. C'est ici normalement. On va les attendre. Le courant. Tourne un seul coup. Ok. Ok, on va mettre les lunettes. Waouh, ce bruit, il est magnifique. Ok. Ok, j'y vais. Ah, on attend quelqu'un là. Ok, j'y vais. Je sais, t'as peur, frère, je sais. Ok, lui il a tiré. Je sais pas ce qu'il va vous faire, mais c'est... faut pas faire ça. Y'a un poteau qui avance là. Ah, Nicolas est juste là. Oh merde. Ouh. Il a failli m'avoir. T'es au moment où je recharge. Il met un coup de couteau là. C'est nous, Nicolai. Il y avait pourtant. Nicolai, est-ce que ça va? Vous pouvez marcher? Oui.
et je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Ok. Ok. Nico est juste là. Bah du coup on l'a récupéré hein. Vous venez les gars ou pas là? Je sais pas, ils viennent par où. Oh c'est grave bien fait. Les potos vous venez ou pas? Ok go. J'embarque. Ouais, on a plutôt réussi cette mission. Hein. Les Américains ont lancé l'attaque contre Al-Assad. Non, l'invasion débute dans quelques heures. Pourquoi? Les Américains commettent une erreur. Ils ne prendront jamais Al-Assad vivant. Ça, c'est la merde, ça, par contre. Ok. Et ben voilà, du coup on est arrivé à la fin de l'épisode, voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était plutôt tranquille comme, comme épisode, c'était bien scénarisé, etc. Surtout en termes de graphisme, vous avez pu voir, hein, c'est juste incroyable. Surtout avec quand on met les lunettes avec le petit le truc, franchement c'est j'ai rien à dire, franchement c'est parfait et c'est impeccable. Et du coup, bah, je vais vous montrer le choix de la mission pour l'acte 1. Donc nous, c'était coupure. Donc l'armée d'Al-Assad se prépare à exécuter Nikolai. Un de nos anciens informateurs, le sergent Kamarov sur le terrain, va vous fournir son aide pour cette mission de sauvetage. On s'occupe de nos amis. Et pour le prochain épisode, ce sera Charlie ne surfe pas. Et ça, on verra ça pour le prochain épisode. Donc voilà, moi de mon côté, franchement, bah, c'est un peu dommage, un petit bémol, j'aurais pu... éviter de manger les quelques balles à la fin là quand on était arrivé à récupérer le colis, mais bon, un petit peu de réalisme, je vais pas recharger, etc. Je vais faire comme si je voyais pas je voyais pas les chargeurs, je vais faire comme si je voyais pas les chargeurs. Au moins ça rajoute un petit peu un petit côté spicy, voilà. Mais voilà, bon, en tout cas on se retrouve pour le prochain épisode qui arrive normalement demain, et ce sera sur Charlie ne surfe pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui arrive demain. Salut et merci.